Bonsoir à tous. Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Draken sur Ivasan Studio. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur BioShock 1, le remastered. J'espère que ça va très bien pour vous. Nous allons continuer notre petite aventure. Alors, tac, 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 je vais vous afficher le jeu de suite, ne vous inquiétez pas. Ici et là, ceci est géré par les professionnels. Toi, tu es bon, et nous pouvons vous afficher le jeu avec sa petite musique. Et voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va freeze. Hop. Parce qu'il me faut quand même voir le retour. Alors, non, je ne veux pas quitter vers Windows. Je vais juste baisser un peu le son du jeu car il est très fort dans mes oreilles. Et comme il va y avoir de l'action, parce que n'oublions pas, BioShock, c'est un FPS. Voilà. Hop! Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au trésor de Neptune. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bon. Oh. J'ai Twitch qui me dit que j'ai mis de la pub, alors que je n'ai pas mis de pub. Que me fait Twitch? Alors, le trésor de Neptune. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté. Nous étions arrivés à Rapture. Donc, notre personnage Jack était arrivé à Rapture, avait rencontré Atlas, qui voulait retourner à une bathysphère pour récupérer sa famille. J'attends que le jeu charge. Quand tu veux le jeu. Et du coup, nous avions rencontré le professeur Steinman. C'était un dégringué, hein. C'était un fou qui cherchait la perfection, et du coup, il mutilait les gens. Ce qui n'est pas très sympa. Quand tu veux le jeu, s'il te plaît. Est-ce que le jeu a crash? Je pense que oui. Ou alors il est très très lent. Que nous fait le jeu? Bon, et ben. Alors j'avais lu sur Steam que le jeu avait 2-3 petits soucis. Bon, et ben. On va relancer tout ça. Hop! On va relancer tout ça. Quand tu veux le jeu, s'il te plaît, petit gestionnaire de tâches. Oh là là, il aime pas ça, il aime pas ça, il aime pas ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, le jeu. M'embêter, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas s'il te plaît, il ne veut pas, il ne veut pas. Tac, nouveau bureau, ne vous inquiétez pas. Alors, vous verrez peut-être rien pour le moment. Notre cher ami a décidé de ne pas vouloir se lancer. Hop, ne vous inquiétez pas, merci Windows 10. Allez, on va relancer le jeu. Et en espérant que celui-ci ne crache pas. Bon, je pense qu'il a crashé parce que j'ai fait un alt-tab en fait, c'est pour ça. Je pense que ça doit être ça. Alors non, je ne veux pas faire les settings en arrière. Bon, petit imprévu, hein, vous inquiétez pas. Allez, le jeu. Allez, c'est parti. Alors, voilà, donc vous entendez bien le jeu. Je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi.
À chaque fois, il m'enlève les paramètres graphiques. Donc ne vous inquiétez pas. Alors vous ne le voyez. Pour vous, vous voyez pas la différence, mais moi en fait, il me lance en fenêtré. Et du coup, tu vas me lancer le trésor de Neptune, que je puisse reprendre. Déjà, on n'a pas la même image. Déjà, l'image, elle bouge. C'est pas mal. Et je vais juste faire un petit alt-tab, s'il te plaît, le jeu. Donc on peut voir que ça bouge. Je ne fais pas d'alt-tab, je ne touche à rien. Je suis bien là où je suis. Et j'aimerais bien juste revoir mon retour. Merci le jeu. On y arrive enfin. Voilà, donc on était arrêté au trésor de Neptune. Il nous fallait. Donc on va continuer. Il faut qu'on récupère la bathysphère pour s'échapper avec Atlas. Et également, on peut voir que dans le niveau, il y a trois petites sœurs. C'est parti. Alors, ne bougez pas parce que bien sûr, je baisse le son, mais je n'entends pas les voix. Brian, Voilà. c'est lui qui a bâti cette ville, et c'est lui qui est en train de l'amener à Oh, le servir. pauvre. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il a peut-être perdu la tête, ou la soif de pouvoir la consumer. Ou alors, il s'est découvert Ouf, une vocation c'est quand? misanthrope. On peut tirer des plans sur la comète pendant des Alors, échanger les améliorations génétiques. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors, on va déjà prendre ça. Je n'ai pas de deuxième fortifiant. La manufacture, je n'en ai pas encore. Et je n'en ai pas encore. Voilà. C'est mieux comme ça. Est-ce que je peux le pirater? Oui, nous allons le pirater. Ce sera un peu mieux, je pense. Alors, on va faire ça là. Il faut aller où? Il faut aller en haut. Hop. Ah, c'est parfait. Hop. On peut pousser le liquide. Alors, plus d'objets seront disponibles et tous les prix seront réduits. Alors, on va prendre des chevrotines ioniques. Les pistolets un petit peu. Et après, on va garder notre argent pour les sous-sous. Alors, un petit protecteur qui est ici. Alors, protecteur, je dirais plutôt, c'est l'esquisse d'un protecteur qu'ils nous ont mis là. Et à nous de commencer. Oh là, je sens pas bon ça. Qui vient ramper dans mon jardin? Notre cher ami s'est échappé par ici. Oh, j'aime pas, je vais encore avoir des sursauts. Je vais avoir des petits sursauts. Ah, donc si déjà on a. Ouais, c'est bien. Si on a une bouche d'égout, c'est qu'on va avoir une petite sœur pas loin. Ah, ben. Qu'est-ce que je vous disais? On va plutôt prendre le cheveu. Comme ça, je peux récupérer ma petite sœur. Tranquille. Ouais. Oula, 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 oula. Ah oui, les bombes, c'est eux, ils attaquent à distance. Ah, eh bien, je suis mort. Donc je vais retourner à la vita chambre la plus proche. Alors je crois qu'il a régène en plus. De mémoire il a régène. Alors on va prendre du petit personnel. Où qu'il est monsieur P? Il est là-bas. Ah non, il n'y a pas régène, j'ai rien dit. C'est une tourelle? Ah oui d'accord, c'est une tourelle. Aïe, il met des mines en plus. Calmez-vous. Hop, je vais pirater, mais en espérant que ça passe. S'il
te plaît. Où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller là-haut. Alors, est-ce que j'ai un TPTK à droite et un comme ceci? Ça va me rendre un peu de vie. Elle est là-bas. Et par contre, toi, ma petite charmie, je vais te sauver. Parce que n'oublions pas que si on sauve la petite, on sauve toutes les petites sœurs et qu'on n'en tue aucune, on récupère moins d'Adam. Mais... voilà. Alors, avec Mediapraxis, vos tours de soins sont plus vieux, soigneront toutes les maladies. Et le meilleur allié doit être tout ce soir. Ah bah c'est parfait. Et alors voilà, donc du coup, à force de sauver les trois petites sœurs de mémoire, nous avons récupéré un cadeau au prochain jardin des glaneuses. Oulala. Allez, on va tenter le coup, on va tenter le coup, on va tenter le coup. On tente le coup. Toi, je suppose que voilà. Alors, toi, si je te mets là. Non. Oulala, 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 ça sent mauvais, ça sent mauvais. Tac. Tac. Et. Oulala, c'était chaud. Voilà, allez. Récupérons un clé du un voxophone. Ryan nous a demandé d'installer une sorte d'appareil génétique à l'intérieur pour que lui et son cercle puissent être les seuls à pouvoir les utiliser sans autorisation. Les gars me disent que les clés ne sont pas vraiment fiables. Ses sœurs, ses cousins, tous ses proches pourront aller et venir comme bon leur semble. Et avec moi, lui. Hein. Donc vous avez bien entendu. Alors ça, j'ai récupéré. Ça, c'est récupéré. Donc apparemment, pour utiliser les bâtisphères de Ryan, il faut être sa famille, donc cousin, cousine, frère, sœur. Oh là 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 là. Alors je vais prendre les normaux. Là-bas je n'ai rien à faire. Alors, on va devoir aller à la bâtisphère, on va se soigner. Cousin explosif, bougez pas. Alors, tac. Tac, tac, tac. Hop. Je ne peux pas aller par là. Ça c'est Rachim. Le truc génétique, c'est pas mal. Oula, ça c'est un. C'est pas un emplacement vide pour lequel commencer à placer un scientifique génétique. Oui, mais je n'en ai pas. Je n'en ai aucun, cher ami. Ah oui, merci de nous avoir sauvés. Donc, comme j'ai sauvé, donc j'ai récupéré 200 Adam. Donc, c'est pas mal. Un gardien, donc j'ai récupéré un nouveau plasmide. Gardien vous protège pendant une courte durée. Et j'ai récupéré des munitions. Allez. Alors, ah, c'est quand même mieux que tout à l'heure, hein. On est d'accord. Alors, vous émettez une décharge si vous êtes touché. Alors, on va pas prendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Emplacement de plasmide. Déjà, je prends un emplacement en plus. Voilà. Donc, je redébloque la télékinésie. On l'a déjà vu. Alors, repousser. Non, non, l'heure. Éclat cryogénique. Oh oui, ça, c'est pas. En gros, on va pouvoir geler nos ennemis. Geler vos ennemis! Brisez-les en 1000 morceaux! C'est ça. Donc, ça, c'est pratique. Consommateur, alors je peux récupérer que le point de santé, en disant que les pansements, tu as les dégâts infligés aux caméras, aux robots, les piratages des toiles, oh ça c'est pratique. Réduire la vitesse du flux, vous émettez une échelle si vous êtes touché qui inflige des dégâts tout autour de vous. Ça c'est pratique également. Ça c'est pratique également, et je crois que je vais
de mémoire, je n'ai plus de d'emplacement de libre. Ah mais d'accord, elle est là. Ah mais oui, mais... Alors, hop. Hop. Et en fait, j'aurais pu le récupérer. Je pourrais la récupérer avec... pas m'embêter. Donc ça c'était bon, des poissons. Hein. Ah oui, c'est par là qu'on pouvait rentrer de l'autre côté. Il faut que je peux le récupérer avec quelqu'un. On va pas s'embêter. Oh la vache. Ça va quand même. Et voilà. Ici, je vais pouvoir acheter des munitions. Alors, trousse de soins, je vais en prendre quand même deux, comme ça je suis sûr. Je ne vais pas manger de chips. Hop, on va changer de munitions. Et on va commencer à avancer pour aller prendre la munition de mitrailleuse. Oula, je vais pas briller par ici. Il faut que je prenne avec la télékinésie. Alors, nous sommes dans les pêcheries fontaines. Alors, oui. Oui, non, pas les numériques. On va pas dire au pire. J'ai déjà entendu. J'aurais pas dû. Les gars me disent que les clés ne sont pas vraiment fiables. Ses sœurs, ses cousins, tous ses proches du Médic pourront aller et venir comme bon leur sang. Tac et tac. Donc, j'aurais pu récupérer le code, hein, bien évidemment, mais on va pas s'embêter. Un cadavre, des munitions. Alors on va voir. J'ai un cadavre à combien de prix. Vous êtes coincé, puis sur H. Oui, je sais, pourquoi. Jimmy, si tu nous donnes Fontaine et sa mort, tu seras bientôt en train de siroter une pain au fight de McDonald's. Mais si tu fais ta tête de mule, on te prendra. Donc Sullivan, c'était l'homme de main de Ryan qui torturait les gens. Voilà, donc il va s'appeler... Oh là. Comment? On a changé d'avis, Timmy? Timmy, tu vas parler maintenant? Vas-y, Sullivan! Continue ton sale boulot! Ryan, il me fait pas peur! Fontaine a les moyens de me faire bien pire que tout ça! Fontaine... Donc on voit qu'apparemment Fontaine et Ryan, deux personnes importantes de Rapture, n'étaient pas en bon terme. Choche est pas très bon pour... tac, tac... où est-ce qu'il est? Il est là. Réduit le piratage. Pas besoin de me soigner. Alors, je veux aller à la Fontaine Fichier. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrai m'arranger pour vous faire entrer. Et voilà. C'était quoi, mon ami? Vous êtes fichu. Donc nous avons une chrosome qui vient d'arriver. Et en fait, là, le but, en gros, c'est je dois casser... Qu'elle s'échappe, je ne sais pas maintenant que. Voilà, donc on peut voir. Alors. Donc, notre cher Peach va nous aider. Alors, je pense qu'elle va s'échapper. Hein. Il y a de grandes chances qu'elle s'échappe. Oula.
Celui-là est trop coriace pour vous. Regardez sur le tapis roulant. Il y a de quoi vous regarder. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales bestioles accrochées au plafond. Oui, d'accord. Vous pourrez entrer dans les pêcheries. Enfoncez vos pinces dans le crâne. En effet. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Alors, nous devons aller chercher... Fontaine est mort, tout le monde le sait ça. Des mois qu'il pourrait s'y pied sous terre. Mais ils sursautent encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez ? Moi, tout ça n'a pas d'importance. On a du pain sur la planche. Donc, nous allons apparemment... que certains Fontaine... a été tué il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Et du coup, nous allons... apparemment, c'est une personne qui n'est pas très aimée. Alors, l'appareil photo, des caisses de grenades, ce n'est pas ici que je vais aller. Jardin des Glenus, pas pour le moment. Ah bah oui, c'est là que ça s'est débloqué. Ça m'a débloqué ça, c'est parti. Alors, ici, il n'y a pas des trucs en dessous là ? Oh bah si ! Oh, il n'y a rien. Oh, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose en dessous, c'est sûr et certain. Nous, il donnerait pas l'accès. On va plutôt prendre le l'arc électrique. Il doit y avoir un voxophone ou quelque chose. Ah, bah voilà. Notre cher voxophone. Bon, par contre, on n'avance pas très vite. Hein. Hop, au moins, c'est bien, ça nous aide pour l'histoire. Il faut nous occuper du cas de Fontaine. Alors que j'achetais des immeubles et que j'investissais dans le poisson, il accaparait le marché des génotypes et des nucléotides. Rapture se transforme sous mes yeux. La grande chaîne s'écarte de moi. Il est peut-être temps de tirer dessus. Voilà, donc Fontaine apparemment faisait des recherches dans la génétique. Et Ryan, quant à lui, ne faisait pas de recherches dans la génétique. Pourquoi il ne court plus? Ah, voilà. Si j'appuie sur contrôle, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Alors, pas besoin de pirater. On va juste récupérer des munitions. Donc on voit qu'il y a eu de la bagarre. De la bonne grosse bagarre. Alors. Alors déjà, ça me donne tout ça. Je sais que... On va sûrement avoir un protecteur dans le coin. Hé, notre cher protecteur est ici. Alors, les limaces de mer. Aujourd'hui, j'ai vu un contrebandier jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonné car ses mains avaient été mutilées pendant la guerre. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la balle quelques jours auparavant. Le lendemain, il a constaté qu'il pouvait bouger les doigts pour la première fois depuis des années. Ouais, les protecteurs, là, fait quelque chose. Pour cette limace de mer. Et par bonheur, il l'avait. Donc on va pas trop le coller. Sinon, il va pas être content. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Aïe. Le coller, sinon il va pas être content. Et par contre on va le garder en vie parce qu'on en aura besoin pour notre cher j'ai pas ma fille mais... Alors il y a une caméra pas loin, j'ai vu. On va voir la petite caméra. Alors, ah oui, il y a le poste de sécurité. Oui, alors la caméra. Ah oui, oui, c'est à ce point-là. Je
vais la pirater celle-ci. Oulala. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, ça il faut que je le garde, ça va permettre de ralentir le flux. C'est pas mal. Hop. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va mettre. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà, que ça ralentit à peu près un peu le flux. Elle est piratée, c'est bien pour moi. Est-ce que j'ai des choses? Donc on voit qu'il y avait beaucoup de christianisme apparemment. Alors, la capitainerie. Les photos de recherche ressemblent à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques et beaucoup d'autres choses très compliquées. Donc apparemment, l'appareil photo qu'on va récupérer va nous aider à faire... récupérer je ne sais pas quoi. Alors. Aïe! Là on peut voir un protecteur tout seul. Alors, ici ça ne sert à rien. Voilà! Je n'ai plus qu'une seule. Oh là là, on peut voir. Oh, les pansements c'est très bien. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est vrai que j'aurais pu passer. Normalement j'aurais pu passer. Non, tu me vois pas, c'est faux. Faut attendre, vous entendez le petit délai. Voilà. Il va pas m'embêter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mitrailleuse, lance-grenade. Je prends des risques. Évidence, apparemment c'est des preuves. Quelles sont les preuves? La pendaison maintenant! Nous en sommes donc arrivés là! Je ne suis pas celui qui dicte les lois ici, je ne fais que les appliquer. Mais je ne suis pas venu à Rapture pour pendre les contrebandiers. Si Ryan et ses hommes veulent vraiment appliquer leurs lois, je leur rends mon insigne. Donc notre cher Sullivan voulait quitter Ryan parce qu'il n'aimait pas les tortures. Pourtant, c'est pas ce qu'il a fait avec le petit Tim. Il est là. Alors. Ça, je pense qu'on peut récupérer nos chevrotines. Ça, on peut récupérer après. Ça, je peux garder pour le moment. Toujours fouiller, toujours tout fouiller. Alors, je le sais. On voit un petit chromosome. Alors, notre appareil photo. Prenez vos ennemis en photo pour, avec l'appareil pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus spécifiques, des recherches spécifiques. Essayez de prendre une photo du chromosome de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré et assez près. Bonus de recherche, chromosome plafonné, dégâts en plus. Le chromosome plafonné est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. Alors, si vous avez vu nos derniers streams, en fait, on va jouer à Pokémon Snap. Alors, munitions antipersonnelles. Oula, oula, oula. Je ne sais pas si. Je ne pense pas que c'était un plafonnier celui-là. Donc ils ont cassé le mur, je ne peux plus passer, mais je peux passer par là. Oh non, mon jardin des glaneuses. Ah oui. Ah, par contre, ça, il y aura quand même vous harceler. Colisez maintenant vos ennemis avec des insectes photoélectriques pour duper les caméras et tout. Dès aujourd'hui. Ah, ça pourrait être pas mal.
Les créatures touchées seront attaquées par les caméras et les tourelles. Ouais, on va le garder quand même. On va le garder quand même. Ah ouais, mais c'est, ils faisaient ça pour le tester en fait. Ouais, non, je sais pas. Pas très utile. Le bandito, j'ai acheté comme par hasard toutes les munitions anti-personnelles. Tiens, c'est bizarre ça. Bizarre, nous avons... ah oui, mais je veux aller là-bas moi. Parce que je veux aller tuer le protecteur. Je peux plus aller tuer le protecteur? Non. Les photos, c'est 6. C'est méchant, ça. Alors, les protecteurs. Recherche de progrès B. C'est, enfin, Rossi, c'est pas les vrais protecteurs. Alors, Rosie est venue en mission perforante. Ouais, mais moi, je veux pas. Moi, je veux retourner là-bas. Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je peux pas retourner. Attendez, il faut que je retourne. Vous avez l'appareil de votre recherche? Très bien. Je crois qu'il est temps de vous mettre au travail pour le vieux Glitch. Prenez ces photos et modifiez. Ah oui, bah je retournerai, d'accord. J'espère que je vais retourner. Des photos, des pellicules. Alors, chromosome armé, progrès de recherche C. Oh, pas bon ça. Parfait ça, ça vaut un quand même. Bonus sujet. Il veut quoi comme photo lui? Alors attendez, c'est quoi le... Je crois que c'est... M, voilà. L'objectif c'est quoi? Photo de trois chromosomes plafonniers. D'accord. La peine de mort a raté. Le conseil est en ébullition. Non. Ils se plaignent des émeutes. Il est grand temps de remettre de l'ordre et de réprimer la contrebande. Le moindre contact avec la surface expose Rapture aux parasites que nous voulons fuir. Que coups étranglés sont un faible prix à payer pour défendre nos idéaux. On t'a bien vu, sale monstre. Alors, c'est des gros serveurs ici. Hop. J'ai mon... Ah, une photo type... Ah, c'est bien ça. C'est une zombie qui a été vulnérable. Voilà, hop, tu descends, s'il te plaît, madame. Une photo. Oui, c'est vrai, ouais, j'aurais pu mettre le truc de sécurité sur elle. Non, moi je veux donc, une photo. Il faut juste trois photos et ensuite on peut. Est-ce que ça passe? C'est bon. C'est passé.
c'est parce que... comme c'est en 6, à chaque fois je me trompe avec... Oh, ouais, ça passe, hein. Alors... Hop, elle est parfaite, elle. J'ai déjà plus de munitions, donc on est dans un bar. Je n'ai plus de munitions de pistolet, des chevrotines. Hop, toi, je vais faire les voxophones. C'est toujours ma chère Diane, j'en suis navré, mais je serai encore en retard ce soir. Rosenberg veut que nous parlions encore du cas de Fontaine. J'essaie de mettre en place un marché financier décent. Et ce crétin ne parle que d'Adam et de manipulation génétique. Je vais faire semblant de prêter attention à ce pauvre diable pendant une heure et je rentre au plus vite. Ah, j'aurais dû prendre en photo lui par contre. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. J'aurais dû le prendre en photo. Alors. Alors, les chromosomes armés. Avec. Alors, ectoparasite. C'est comme si vous saviez si vous découvrez des choses que vous n'aurez pas vues. Alors, quand vous fouillez des conteneurs ou des corps, vous pouvez effectuer un nouvel objet de fouille. Alors, lui, c'est quoi quand on parle d'un pirate assisté, vous gagnez que. Alors, le chromosome explosif, on le prend aussi parce que. Je ne l'ai pas encore pris une seule fois. Alors, j'ai une arme, monsieur. Voilà, on a une question. Allez, je peux fouiller encore. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Alors... Il y a des portes, on voit des codes. Alors. Oh. Non, y a rien. Qu'est-ce que tu as toi? Ah bah oui. Allez, viens là. Il va pas venir. C'est pas grand chose pour le moment. Et mission perforante. Alors on va pirater. Alors je vais pas l'acheter, ça sert à rien. Alors par contre, oulala. Tu vas te mettre là. Oulala, c'était chaud, c'était chaud. J'ai failli faire une bêtise, chers amis. Tac. Prenez-vous. Dire. Rien du tout. Qui ne vient pas. On peut voir ici le magnifique étage de rupture. Alors. Un salopard de la surface. Ah, d'accord. Alors, il bouge encore alors que je vais tirer dessus. Hein. Alors, les chromosomes des chromosomes planifiés peuvent être utilisés comme trousse de soins. Oh! Ça par contre, c'est pratique. Ça, c'est très très pratique, ça. Je vais pas pirater cette porte. On va ouvrir cette porte. Oh, je sais pas bon ça. Il était caché. Qu'est-ce que nous avons? Monsieur Ryan, je crois en Arthur, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à Rapture. Aussi, je vais être clair, quand nous arrêterons cette ordure de Fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ses affaires. Nous tenons les membres du Conseil parce que ces pauvres sots nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Donc, bah, notre cher ami est mort. Je
plaît. Notre cher ami gros homme explosif et je vais récupérer. Je me prends les dégâts également, hein, parce que je suis dans l'eau. Alors, je vais rentrer. Qu'est-ce que c'est? La chevrotine. Calme-toi. Hop, caméra, tu m'embêtes pas. Là, oui, c'est pour les petites sœurs. Toi, on te casse. Comme ça, je peux avancer. J'avance. Quand je pense à ma femme et à mes enfants cachés dans ce sous-marin crasseux, j'ai envie de tout casser. Ah. Les mettre en sécurité. Voilà. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Oui, ouais, en fait, j'ai fait tout le tour pour rien. Oui, mais j'ai pas le code de la porte. Du coup. Bah, on va essayer de pirater la porte. Ceci, il y a une porte, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On va l'acheter. Résultat du piratage réussi, débrouillage de la porte. Qu'avons-nous ici? Oh, un couple. Nous avons vu Macha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnue. Sam a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Macha. Mais il avait hélas raison. Elle aspirait le sang d'un cadavre près des pêcheries. Et elle est repartie main dans la main avec un de ses affreux golems. Macha. Sam l'a appelé. Mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose n'était pas notre Macha. Oh. Ah, et nous avons récupéré un rencontré Ryan dans la plomberie de ses toilettes dans un immeuble chiffreuse de partie venue. Il arrive et me dit pourquoi ce siphon en cuivre? L'entrepreneur m'a parlé d'étain. J'ai répondu, bah c'est l'entrepreneur qui va venir vider vos toilettes tous les 15 jours. Vous oubliez pas, patron, si c'est la facture qui vous inquiète, le siphon c'est pour ma poche. Et pour quelle raison, il me demande. Ben, monsieur Ryan, bénéfice ou pas, il ne sera pas dit que quelqu'un devra vider des toilettes installées par Bill McDonagh. Le lendemain, j'étais le nouvel entrepreneur de Ryan. Donc, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, notre cher... les enfants... Oui, il doit être caché là-bas. Arrêtez. Ah oui, voilà, il a pu passer lui. Ma femme, Moira, elle est vraiment pas commode. Mais c'est un vrai trésor, et elle est fou pour moi. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Dieu qui me punit de les avoir fait venir ici, elle et Patrick. Moi qui pensais que nous aurions une vie meilleure. Patrick. Quel imbécile. Quel idiot. Allez, je photographie. Ah, c'est ce que j'ai déjà fait. Oui, donc on a des pénalités parce qu'on a déjà fait.
Alors, ce qu'on va faire. Alors. J'ai du mal en changeant les armes. Retourne à la vie de ta chambre, ouais. J'ai du mal. Donc là, en gros, si je meurs, c'est fin définitive. Voilà. J'ai parfait, il vient vers moi en plus. Hein? C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est quoi ce bordel là? D'accord, alors en fait il court mais il n'y a pas la petite sœur avec. Merde oui. Vache. Commencez pas madame. J'ai pas que ça à faire. Bon, la petite sœur là. C'est compliqué. Bon, la petite sœur, normalement. J'ai récupéré des sous. Donc oui, la petite sœur, elle est bloquée, elle est là. Elle est où? Mais non, d'accord, c'était pas le... Oh là 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 là. Il y en a encore un autre? Il est où celui avec la petite sœur? Ah mais oui, en fait, les... Ils vont chercher les petites sœurs, en fait. C'est pour ça, en fait, les... Par moment... Oui, voilà, c'est celui que j'ai tapé. Et il va, en fait, il va aller chercher la petite sœur qui était avec, donc il faut attendre un peu. Voilà, allez, va chercher ta petite sœur, s'il te plaît. Normalement, il va aller à une bouche d'égout, une bouche d'aération, et il va aller récupérer la petite sœur. Voilà. Parce qu'en fait il la cache entre deux. Donc là on va récupérer notre petite sœur. Je vais préparer mon sort. Mission perforante. Voilà. Donc elle, la petite sœur, elle est là. Et voilà. Toi, je vais te sauver. Par contre, je vais aller acheter. Voilà. Donc, j'ai sauvé la petite sœur. Et je récupère 80 d'Adam. Merci. Alors. J'ai vu un poste de vie qui était là-bas. On va retourner en arrière. Un poste de soin. Je vais te pirater. Cher ami. Hop. Ah merde, c'est piégé. Oula, comment je fais moi? Comment je fais? Plutôt par là. Oula, il y a un bon petit piège là. En fait, si je faisais ça, ça faisait sonner l'alarme. Donc c'était pas très utile. Hop. Voilà, et je me soigne.
Allez. On va aller donner ces photos au mec dans la pêcherie là. Donc je sais pas s'il va me rechercher une petite sœur encore. Et s'il va me rechercher la petite sœur, j'avais trois petites sœurs et puis c'est nickel. De mémoire, non. On va juste attendre. Préparons les armes. Grenade à frag. Grenade frag. Hop. On va prendre le F3. Non, il n'y a personne. Alors, est-ce que... Est-ce qu'elle sort? Non. Ah si. Oh mais c'est cheaté en fait. Que je vais aller. Oui, mais il va m'embêter. Lui. Non, mais c'est bon là, hé! Hey. Du coup, il est plus avec. Si, encore avec la petite. Mais il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille acheter des... Faut que j'aille me soigner, faut que j'aille me soigner. Alors, voilà. En fait, c'est des mines. Il y a moyen que je le tue. Et toi tu viens. Et il faut que je trouve un jardin des glaneuses. Ça devient chaud. Merci, monsieur. Merci. Ça devient compliqué. Bon, on va pouvoir avancer. Retournons à notre pêcherie des crabes. Toujours rien. Ne touchez pas. Bah oui, c'est vrai. Ils sont là, les journées des gagneuses. Alors, on va améliorer notre santé. On va améliorer notre Eve. Non. Consommateur avisé. Améliorer notre Eve. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour fouiller quand... Non, en fait, il me sert à rien. Voilà. Quand on est pareil, piraté. Quelques points de santé d'Eve permet de modifier. Et lui, c'était quoi quand vous cognez piraté? Je suis bête, c'est celui que j'ai. Ce n'est pas par là. Ah bah tiens, un autre frappeur sonore. Si vous affrontez une entité plus forte, plus armée que vous, le frappeur sonore
L'occasion de votre dépêche étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée sur des ennemis pris par surprise. Ah mais c'est vrai, elle est là elle. C'est vrai qu'il donne de la vie. Ah mais j'aurais dû... On va prendre des trousses de soins. C'est vrai que j'aurais dû... J'aurais dû la pirater avant déjà. Et j'aurais dû la prendre en photo. Alors, hop. Allez, laisse-moi passer. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage, ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café, sortir les couverts en argent, et tout ça. N'importe quoi, c'est des tarés. Je te promets s'il me dit ça. Personne peut se pointer ici avec des flingues. Mettez vos armes dans le pneumatique. Après, je vous laisse entrer. Pirate concentré. Et les placements du plus polluant dans l'axe. Alors, deux plaques de surcharge en moins lors de piratage. S'ils se sont pris, il va falloir le payer. Mais ils ne vont pas vous prendre vos plasmides. Si. Donc ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire, mets tes armes, mais tu vas devoir te battre aux plasmides. Ils aiment bien la classe. Outil de piratage automatique, c'est parfait. Est-ce que j'ai des trucs là? Non. Oui, ça sent mauvais ça. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'ils font? Au diable qui revenait tout de suite, et le diable lui a répondu. Je savais même pas qu'on pouvait augmenter les trucs de caméra de sécurité. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable de loin. Je suis bête, j'ai envie de pirater en fait. Mais non, mais si elles sont détruites. Alors, la photo. Les robots de sécurité, ça m'en a donné. Monsieur, il est méchant. Yeah.
codes, donc je vais mettre le tourelle avec moi. Il y aura des choses cachées ici. Alors... J'ai récupéré mes armes. Alors, oh, ça par contre, c'est pas, c'est pratique. Alors, qu'est-ce que je vais améliorer? Je peux améliorer qu'une seule arme à chaque fois. La cachette doit être là, mais par contre, l'autre côté, on n'a pas été voir. Oh! On va attendre que ça explose. Voilà. Rien du tout, rien du tout. On va faire chocolatier, c'est pratique. Par contre, je vais prendre un pirate automatiquement. Hein. On va pas s'embêter. En plus, je le récupère. Oh là, elle a pris cher à toi. Des sous-sous, des sous-sous. Alors, on va y aller. Voilà, notre passage est libéré. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Il faut retrouver plus loin. Donc là, on va pouvoir normalement retrouver la bâtissière et pouvoir s'échapper avec Atlas. Alors, la cache des contrebandiers. Je n'éteins pas mon ordinateur. On est bon. Alors, il faudrait plus de sous. Oula. Marchand génétique. J'en ai pas d'autres des fortifiants. Oui, ça étouffe le bruit. Vous émettez une décharge électrique. Non, bah, je vais le garder. Les sorts, alors oui. Rage, club cryogénique, je le garde. Balise de sécurité. Gardien, besoin d'un gardien quand même. Il faudrait que j'augmente mon plasmide. Oula. Oh, c'est vraiment une cage de contrebandier. Y a pas de loot. On va pirater tout ça. Alors, tu vas mettre ça là. Tac, tac, tac. Tu vas monter ça comme ça. Tu vas monter ça comme ça. Ensuite, on va te mettre là, là, là. Et on va finir comme ceci. Donc la tourelle est avec moi. On ouvre les caisses. On espère en choper deux. Oh non. Ah non. Oh non, non. Oh non. Oh non. Le jeu a crash. Oh non. Oh non, mais et j'espère que ça sauvegarde.
Donc voilà, bon, le jeu a crash. C'est dommage. On va relancer vite. Si je dis pas de bêtises, normalement j'ai changé de niveau il n'y a pas longtemps, donc ça devrait aller. Mais bon, c'est embêtant. J'espère qu'il va pas me faire ça longtemps. Et surtout, va pas me faire ça souvent. Donc on sait qu'on va on va arrêter de fouiller les caisses. Ou aller moins vite. J'espère qu'il va pas recrash. Après ça va, j'étais pas loin, juste... Ouais, voilà, c'est pas trop loin encore. C'était pas trop loin. Sinon... Ah, je suis dégoûté. Oui. Qui est à moins de 100 mètres de sa famille. Toi, on avait dit ça. Hop, on va pas fouiller les caisses, ça ne sert à rien. Toi, on va te pirater. Allez, on recommence. Hop. Hop, 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 hop. On avait dit ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Tac. Hop. Bon, on n'ouvre pas les caisses. Quand même une, mais doucement. Le voxophone, je le prends. Les fusils. Le voxophone, qu'est-ce qu'il me dit? On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Il est là-haut, dans la forteresse folâtre, en train de culbuter des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Ah. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez, mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec des gars. On sait jamais, mais ça pourrait empirer. Il faudrait pas que je bois l'alcool. Alors, trouver la baie sous-marine. Alors, j'aimerais bien être... Voilà, donc là, c'est la bâtisphère, normalement, qu'on doit utiliser pour partir. Mais normalement, tu as la famille. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Oula. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Donc, Andrew Ryan nous dit de pas appuyer sur le bouton et... Notre cher ami Atlas nous dit d'appuyer sur le bouton pour pouvoir rejoindre sa famille. Et ben on va appuyer sur le bouton, de toute façon c'est notre ordre. Si on voit la vita chambre. Sûrement Dorian a dû piéger le truc. Oula. Donc là c'est Atlas si je comprends bien. Non, c'est pas Atlas. C'est un gros homme explosif, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait si sombre. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux pour voir, vous pourriez le prévenir. Si seulement. Oh là, c'est pas bon ça. Des gros hommes, c'est pas bon. Oula. Ils sont partout. Je ne peux pas les retenir, je dois m'enfuir. Sortez ma famille de là. Nous nous regrouperons dès que possible. Donc il faut qu'on s'échappe. Allez, au sous-marin. On fait des cabrioles. On va prendre des photos, ça va améliorer nos dégâts. Ah yes. Aïe, hé, hey, oh. Aïe. Il faut le sort. Ça,
Voilà. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous. Oui, au fait, il n'y a pas de tir sur le... Il est où, lui? Ah, mais mince, mais je les ai pas vus, ils étaient cachés. Ça, ta chambre, elle est juste à côté. Ça, par contre, il devrait faire le système que... ils devraient faire le système pour se heal automatiquement. Enfin, ils auraient dû faire le système. On s'échappe pas parce que nous sommes pris dans un guet-apens. Je t'avais déjà tué, toi, normalement. Ah, oula. Bah, la bâtisseur, elle a cassé. Vous vous introduisez comme un assassin. C'est pas avant bon de filer comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouche de la CIA. Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le découvrir, soit le détruire. Eh bien voilà. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Eh bien du coup, je pense que pour ceux sur le stream, on va s'arrêter là, enfin je pense. Et nous allons aller vers l'Arcadie. Parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et du coup nous allons aller à l'Arcadie pour retrouver Fontaine. Alors. Hop. Et nous voilà arrivés à l'Arcadie. On aura deux petites sœurs à trouver. On se trouvera ça pour la prochaine fois. Oui, je veux une nouvelle sauvegarde. Je n'ai pas envie de tout recommencer. Alors, tac. Du coup... je dis bien sur stream. Non. Ceux qui sont sur la VOD, on se retrouvera donc pour le prochain épisode de l'Arcadie. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.